Je suis à vous dans un moment. J'étais en train de faire du bourrage de crâne pour me préparer mes examens de fin d'année. Je parie que vous ne saviez pas que votre humble serviteur prenait des cours du soir. Tel que vous me voyez, je prépare un doctorat en sciences humaines. Ce qui nous amène à notre tranche d'horreur de ce soir. Je vais vous conter l'histoire de deux jeunes gens qui ont des idées bien arrêtées sur ce qui concerne l'enseignement supérieur. Alors sans transition aucune, voici la momie qui voulait pas mourir. La 18e dynastie engendra quelques-uns des plus grands souverains qui montèrent sur le trône d'Égypte. Les immenses pouvoirs de ces pharaons imposèrent la loyauté et la peur à travers un empire qui s'étendait de la Nubie au sud jusqu'aux frontières nord de la Syrie. Ce qui nous amène à la légende du pharaon Ramsès, aussi connu sous le nom de la momie qui ne voulait pas mourir. Il semblerait que ce cher vieux Ramsès ait été possessif et jaloux d'après la légende, et l'objet de son obsession était une merveilleuse jeune fille, la princesse Néphra. Malheureusement, Ramsès décéda brutalement avant d'avoir eu l'occasion de consommer son union avec la charmante et tendre Néphra. C'est ainsi que, malgré son nouveau statut de cadavre fraîchement embaumé et momifié, ce cher Ramsès décida de sortir de sa tombe tous les ans pour l'anniversaire de sa mort et de se mettre en quête pour retrouver l'élu de son cœur, la princesse Néphra. Inutile de préciser que son caractère pour le moins violent ne s'était pas amélioré depuis son décès. Et les citoyens en arrivèrent à redouter tellement ces frasques annuelles qu'ils furent obligés d'adopter une solution draconienne. Chaque année, une vierge était conduite devant le tombeau de Ramsès. Un sacrifice humain. Et évidemment, chaque fois, la terrible momie s'attendait à voir sa bien-aimée Néphra se présenter devant lui. Et chaque fois, ce pauvre vieux Ramsès était amèrement déçu. Explosant de colère, il passait alors sa rage sur cette innocente victime et d'une manière vraiment trop atroce pour être décrite. Mais il ne se met plus la panique en ville. Bon, je vous rappelle, chers érudits, que l'examen aura lieu mardi prochain et que les questions concernant les trois premiers royaumes égyptiens et quels sont ces trois royaumes au fait, Monsieur Skulnik? Les trois premiers royaumes, ça devrait être... Nous attendons, Monsieur Skulnik, nous sommes pendus à vos lèvres. N'hésitez pas à consulter vos notes ou, si vous le préférez, votre manuel du parfait petit footballeur. Allez! Je crois qu'un d'entre eux est la seconde dynastie. Les royaumes, Monsieur Skulnik, pas les dynasties, les trois premiers royaumes. J'en sais rien, monsieur. Mademoiselle, ayez la gentillesse de bien vouloir fournir à monsieur Nulnik, je vous demande pardon, monsieur Skulnik, la réponse à la question qu'il essaie péniblement d'extraire de son crâne ramolli. Ancienne dynastie, nouveau royaume et première période intermédiaire. Vous avez entendu ça, monsieur Skulnik? Avez-vous écouté? Aurais-je enfin réussi à capter votre attention? Oui, monsieur. Je vous signale que si vous échouez à cet examen, monsieur Skulnik, vous ne serez plus éligible pour participer à la seule activité dans laquelle vous semblez exceller. Et bien que j'avoue personnellement classer le football à peine au-dessus du bizutage en tant qu'expérience culturelle, je crois savoir qu'il a quelque importance pour vous et certains de vos camarades. Alors je vous conseille vivement de réagir, monsieur Skulnik. Le cours est terminé. Attends, je vais t'aider. Merci, ça va. Stella, c'est ça? Ton prénom, c'est bien Stella? Oui, c'est ça. Regis Skulnik. Ah, je sais qui tu es. Tu travailles dur, on dirait. Je fais juste 2 heures par jour. Je trouve ça plus facile de travailler sur le campus. Stella! À l'extérieur. Excuse-moi. Et
professeur Finlay m'a vraiment pris en grippe, non? Je veux dire, ça te choque pas la façon dont il me traite en classe? C'était pas... Mais franchement, il m'agresse, là. C'était plutôt embarrassant pour moi. Oui, j'ai vu ça, oui. Tu sais, Stella, je vais me planter à l'examen mardi, sauf si tu me donnes un coup de main. Moi? Tu veux bien, Stella? S'il te plaît. Je sais pas. Je t'en prie, Stella. Tu connais l'histoire égyptienne à fond. C'est capital pour moi. Je suppose que je pourrais t'aider, je suis vraiment douée pour les études. Je suis pas brillante, je veux dire non, mais je prends toujours très bien mes notes. On pourrait les relire ensemble, tous les deux, si c'est à ça que tu pensais. Est-ce que ça t'attirait aujourd'hui? Oui, oui. Bon, où est-ce qu'on se voit? À la bibliothèque. Disons vers 3 heures. D'accord, oui. C'est génial, je compte sur toi. À tout à l'heure. D'accord, au revoir. Désolé pour le retard. Ah, tu es en retard? J'avais même pas remarqué. Tu as rien apporté comme affaire? Oh, c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il nous faut, j'ai plein de stylos, du papier, j'ai tous les bouquins et je... Stella, ça sert à rien. Quoi? D'étudier, ça me servira à rien, je sais bien. Il faut se rendre à l'évidence, je suis pas fait pour ça. J'ai essayé pourtant, je t'assure, j'ai essayé de lire plein de trucs, mais j'arrive jamais à m'en souvenir. Finlay a raison, mon seul point fort, c'est le football. Oui, je comprends. Attends. Tu pourrais quand même faire un truc pour moi. Finlay a tout un tas de vieilleries égyptiennes chez lui, à ce qu'on dit. Tu pourrais prendre rendez-vous pour aller jeter un coup d'œil à ses horreurs en disant que tu veux potasser pour l'examen. Il dira oui tout de suite. Tu pourrais le faire demain soir? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Parce que... pendant qu'il te montrera ces trucs, je me pointerai en douce et je ferai une copie des questions de l'examen. Non, je suis incapable de faire ça. Je sais bien que les gens pensent que je vais être pro. Que je n'ai aucun souci à me faire. Mais c'est faux, Stella. J'ai peur de l'avenir. Le football, c'est tout ce que j'ai et ça va me passer sous le nez aussi. Mais ce serait mal. Si quelqu'un risque des ennuis, ce sera moi, pas toi. Et je te promets, Stella, je te protégerai. Je te jure que personne ne le saura. Après la coupe, on fait une petite fête seulement pour l'équipe. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu sois ma cavalière. Non, c'est faux, tu veux pas de moi. Mais si, je t'assure. Non, arrête. Pourquoi tu voudrais de moi? Et pourquoi pas? Parce que tu es un rat de bibliothèque. Stella, l'intello. C'est ça qu'ils croient, non? Mais c'est faux. Ils ont tort. Ils se trompent sur toi comme sur moi. Non. Je vois rien du tout sans mes lunettes.
mademoiselle Bishop. Ravi de vous voir. Bonsoir, professeur Finlay. Entrez, je vous en prie. Merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de venir chez vous ce soir. Oh, ne soyez pas ridicule, ma porte est toujours ouverte à mes étudiants. J'aimerais qu'ils soient plus nombreux à partager votre enthousiasme, d'ailleurs. Allons tout de suite à la cave, j'ai déjà tout préparé. À la cave? Oui, c'est là qu'est ma collection, suivez-moi. Waouh! C'est un vrai musée, dites-moi. Eh bien, mon grand-père fut l'un des premiers archéologues à explorer les tombes de la Vallée des Rois. Tous ces objets ont une valeur inestimable. C'est vraiment incroyable. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'œil, ma chère. C'est la pièce de résistance de ma collection. C'est une chambre mortuaire absolument intacte. Une tombe? Exact. Regardez à l'intérieur. Oh, non, non, je vous remercie. Oh, allons, c'est ce que j'ai de plus intéressant. Allez-y, entrez. Ouh, il fait froid. Oh, vous vous effraiez vite. Et comment les torches sont allumées? Eh bien, c'est ce que je vous disais, j'ai tout préparé. Je voudrais m'en aller. Pas question! Ah non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Allez! Reggie! Reggie, aide-moi! Finlay, t'es qu'un pourri. Reggie, aide-moi, je t'en prie! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous ne pouvez rien faire comme il faut? Hé! Hey, attendez! Arrêtez, c'est pas drôle! Ouvrez-moi! Les femmes deviennent de plus en plus fortes de nos jours. C'est à cause de leur manie de faire de l'exercice. Vous n'êtes pas en forme. La ferme, Reggie. Fichons le camp d'ici. J'ai quelque chose à faire avant. Ouvrez-moi! Laissez-moi toute seule! Allez, laissez-moi sortir! C'est pas drôle comme blague! On devrait remonter. J'ai besoin d'un verre. C'est mon grand-père, Flinders Finlay. Quel archéologue génial!
Cette espèce de vieille crapule a dû piller une centaine de tombes au moins le long du Nil. Ramsès fait partie de la famille depuis 3 générations maintenant. On se le lègue de père en fils. Et c'est une sorte de devoir sacré. Ou de malédiction. Pourquoi vous brûlez pas tout ça ? Idiot ! Ramsès est un lien vivant avec l'ancienne Égypte. Le plus grand trésor de toute l'Antiquité, et il est à moi ! Mais le seul problème, c'est que trouver des vierges, ça devient de plus en plus difficile. Dingue. Vous êtes vraiment dingue. Je suis sûr que vous préférez le bourbon, Skulnik, mais essayez ça tout de même. Jane. Bon, allez. J'ai rempli ma part du contrat. À vous de remplir la vôtre, maintenant. Rien de presse, allons du calme. Buvez votre verre, détendez-vous. Ma note d'examen, d'abord. Si vous insistez. N'espériez tout de même pas une meilleure note que ça. Non, la note, ça va. Mais ça ne suffit pas. Mais de quoi voulez-vous parler ? Je pense que mon silence vaut nettement plus que ça. Et je parie que certains des trucs que vous conservez à la cave doivent... valoir une petite fortune. Vous êtes vraiment une misérable petite ordure. Vous essayez de me faire chanter, moi ? Disons que c'est une renégociation de dernière minute. Mais notre accord original me convient très bien. Pas à moi. Durant les cours, c'est vous le patron. Mais ici, c'est moi qui décide. Vous n'écoutez strictement rien en classe, n'est-ce pas, Reggie ? Oui, mais je vous signale qu'on n'est plus à la fac. Vous n'avez même pas écouté le cours sur l'ancien art de l'embaumement, il me semble. C'est très curieux, car d'habitude, même les crétins les plus atteints se réveillent pendant les cours d'embaumement, tellement c'est franchement écœurant. Et quelle importance ? Vous souvenez-vous à quoi servait cet instrument que je vous avais montré ? À retirer le cerveau par le nez. Très impressionnant. C'est la fin ? Pas encore. Vous souvenez-vous, par hasard, comment les anciens embaumeurs vidaient les cadavres de leurs autres organes ? On s'en fiche. Ils préparaient une potion, disons une boisson, si vous préférez, qu'ils versaient ensuite dans la gorge du défunt. Après une assez courte période, les organes se dissolvaient, se liquéfiaient en une mixture nauséabonde qui s'écoulait, comment dire, par le haut et par le bas. Vous voulez me faire peur ? Non, Reggie. Je veux vous tuer. Attendez. Vous en avez bu aussi, professeur. Vous croyez ? Est-ce que vous m'avez vu verser à boire dans nos 2 verres en utilisant le même flacon ? Non, bien sûr que non. Comment auriez-vous pu ? Vous ne faisiez pas attention, comme d'habitude. Espèce de fumier. Pourtant, vous êtes un peu jeune pour avoir des problèmes d'incontinence. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'il m'a flanqué comme bazar. Enfin. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au nom de l'histoire. Thank you.
ça suffit. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Stella. Vous êtes vivante? Appelez-moi princesse Nefra. Comme lui. J'arrive pas à y croire, c'est impossible. Je suis une parfaite étudiante. J'écoute toujours en classe. Et je prends tout un tas de notes. Quoi? J'écoute toujours en classe vos cours stupides, barbants et ringards. J'écris soigneusement chaque mot que vous dites. Alors j'ai tout compris. La légende de Ramsès et Nefra. La momie qui ne voulait pas mourir et toutes ses débilités. Je me suis souvenu de tout. Alors je n'ai pas hésité, j'ai joué le jeu avec l'enturbanné. Il était sacrément content de me voir. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Vous voulez dire que vous et lui... Oui. Wow. Comment avez-vous osé me faire ça? Ne parlez pas trop fort, je crois que ça le dérange. Non, c'est rien. Au fait, vous avez dit autre chose d'intéressant en cours. Il paraît qu'il est jaloux et extrêmement violent. Voyons, si vous aviez raison... Non, allez, Stella... Oh, professeur Finlay, un tout petit bisou pour votre étudiant favori. Arrêtez, non. Allez, non, rien Stella, qu'un petit bisou de rien du tout. Non. Regardez ce que j'ai trouvé. Non. Je suis Enoch, doyenne de l'université. Et voici Stella Bishop. Qu'est-ce qui se passe? Je suis l'inspecteur Connors, mademoiselle Bishop. Il y a un problème? J'en ai peur, oui. C'est à propos de vos travaux pratiques. Est-ce que j'ai eu une mauvaise note? Allons-y, Stella, nous en parlerons au commissariat. De Stella Bishop. Excellent travail. Ah, comme qui dirait que Reggie et le professeur Finlay se sont laissés embobiner. Ils auraient pourtant dû savoir que la nécrophilie est ennuyeuse à mourir. Enfin bref, il faut que je retourne à mes chères études parce qu'il va y avoir une interro orale demain matin. Et moi j'adore participer en classe. J'ai toujours eu une sainte horreur de faire le mort, comme au bridge.